Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que tout aille bien pour vous. Bienvenue sur la plateforme Cœur Ramé Appelant, Allo Vamo, Allo Vérité sur Haïti, avec le monde dans le micro, Fanny Litienne. Je dis à ce immense et réel plaisir de ce que nous rejoignons là, et ceci nous pourra passer un très bon moment de formation et d'information. Nous dit mettre la vie à merci, bon Dieu la vie à celui qui nous a créé, l'intelligence supérieure. Et l'énergie qui nous transcende, qui nous émane, qui a donné sens à la vie, cette énergie est partout et en tout. Il y a l'autre qui dit qu'il est représenté par quatre éléments, de l'eau, terre, vent et puis et du feu. Eh bien, de toute façon, le, nous décortiquer l'homme, là, il y a quatre représentations là-dedans. Bah, il y a un problème avec vous. Vous capable de j'en voulais, mais tout simplement, il suffit que vous admettez que vous avez une énergie. Ben, qui transcendait l'homme, qui émanait l'homme, l'intelligence supérieure qui nous a donné la vie. Nous disons merci pour ça. Nous déjà voyons un gros coup de chapeau avec un gros accolade pour tout Haïti à la ronde badé, quel que soit côté, écoutez-nous. Et nous allons commencer avec information. Nous pour jeudi, hein, cette fois-ci, nous connaissons chaque jour. Faniel Litienne fait bagala on l'autre gens. Et c'est ça qui est originalité, nous. Pas vrai? Abinadel fait carré poser go action. Les nous gardés représentants dans l'ONU, déclaration ambassadeur qui dans l'ONU en fait, Nations Unies, Jean nous est président parler tout Jean li agit et pas oublier demain si Dieu veut dans la semanale, ça m'a dit nous là, président Walge accès d'il. Et c'est ça m'a dit nous parce que moi-même, depuis information en tombé, je suis gagné. Et chaque représentation, chaque ambassadeur, il parlait au nom de président. Parce qu'il n'a pas qu'à parler au contraire de ça que le président dit, ou bien au contraire du pays auquel il représente. Bon, d'après l'information que nous gagnons, ambassadeur dominicain qui prend la parole dans les Nations Unies, monsieur fait qu'on est que c'est pour la loi des Nations Unies respectée. Comment? Et Haïti en crise, loi Nations Unies de respecter. Nous bradou qui salve les dit tout à l'heure, après la pause, pas déplacé, gardez vidéo à du commencement jusqu'à la fin. N'a pas retourné tout à l'heure. Merci de votre fidélité, nous revoici. C'est avec même chaleur, même l'amour, même fougue, nous rejoignons là. Et nous sortis de contempler. Bouric chargé pas campé. Ambassadeur dominicain qui est dans l'ONU, selon sa présidente, il dit, il faut que nous respections la loi des Nations Unies. Moi-même, qui parle égaré, qui gagne non seulement connaissance en droit international et en diplomatie, et puis m'a cherché contre qui sa loi des Nations Unies dit. Comme nous avons gagné, nous révisé. Nous connaissons que Haïti en crise socio-économico-culturo-politico. Il y a tout bagay net. Et puis, je vais regarder Kenya qui va entrer Haïti. Kenya déjà a demandé un ensemble d'argent parce que la communauté internationale a levé ou les Kenya dans la farine. Parce que c'est noir. Et je dis nous. Depuis ces noirs, mon peau blanche toujours pensé noir égaré. Noir pas jamais égaré. D'ailleurs, c'est noir qui donne naissance, qui a donné naissance à la vie. C'est la race noire qui a commencé l'humanité. L'éclair pour tout le monde. Maintenant qu'on y a là, ça qui arrive ou jouer sous nécessité peuple noir là, et puis il fait sauver. Mais c'est pas parce que il est égaré, oui. Peuple noir pas qu'on est égaré. T'as semblé à vous les Kenya dans farine, vous ne voulez pas Kenya l'argent. Bon, Kenya lui-même, et ça fait beaucoup que j'aime déployer Haïti. Vous voyez quelques petits représentants préparer route, même président Kenya, mais c'est lui-même, mais comme il a besoin. C'est besoin de l'argent. Parce que Babi m'a dit, nous sommes 22 milliards de dollars après la Deuxième Guerre mondiale, que les Anglais, alors les Kenyans étaient goûts pour les Anglais, on connaît son colonie anglaise que lié, et Renan Padjam, bah yo l'agence a et yo pété coquin
il faut chita pour yo capable tirer dans mamelle là. Kenya beaucoup jeune l'argent ça fait Kenya poser. Mais vinn garder Saint-Domingue, on te dit nous qui te voyé représentant à la formation Kenya. Les qui gradué et représentant ça yo, y a gagné pour yo venir en Haïti participer bien entendu dans intervention militaire et qui a fait en Haïti. Mais qu'on est qui c'est ambassadeur qui dans l'ONU en fait qu'on est, il fait qu'on est fort loi l'ONU respecter, loi Nations Unies doit respecter, qui ça le dit, les un pays en crise sociale, humanitaire, politico, culturel et sécurité, c'est pays qui piprea qui doit prendre en charge. Oh, Abinadel toujours dit Saint-Domingue pas yon solution dans crise Haïtia et yon sorti sous belle occasion ça. Pour l'oua dit pays qui prêt à si a gen yon invasion ou bien yon occupation, ça doit être fait par pays qui prêt. Et c'est là nous va arriver. Et c'est là nous va arriver. Les représentants de la République dominicaine au sein des Nations Unies en Haïti, dirigés par Kenya, je vous ai dit tantôt que Nations Unies mettait Kenya, Organisation des États américains, mettait yon État africain, comme observateur permanent de l'OEA, accompagné République dominicaine. M'allez de nous comprendre ça. Est-ce que c'est Kenya vraiment vrai qui est observateur permanent dans l'OEA? Non, parce que Kenya ne fait pas partie des États américains. C'est République dominicaine qui fait partie des États américains. Konya yo mette Kenya, accompagné de Saint-Domingue, observateur permanent dans l'Organisation des États américains. Cela, c'est nommé paraître, ce n'est pas Kenya vrai. Et il a honoré le président de la République dominicaine à Nessa comme meilleur leader qui gagne dans l'Amérique, là, dans toute l'Amérique. Là. Ça veut dire Abinadel plus bien dirigé que Bukele, il est plus bien dirigé que Zang Beach, il est plus bien dirigé que Joe Biden, il est plus bien dirigé que quel que soit président que Mamlo, hein, Felipe Mamlo, Amlo, président mexicain avec son grand président, il est plus bien dirigé que président brésilien Lula. Est-ce que nous comprenons le jeu qu'en fait là? Il a besoin d'Abinadel parce que son bon tigre. Maintenant, puisqu'il te voit représentant dans l'ONU, et loi l'ONU faut le respecter, c'est pays qui peut aller occuper l'autre là. Là, eh bien, ambassadeur a dit qu'il faut respecter la loi. Oh, il y a nommé Kenya avec Saint-Domingue comme observateur permanent dans l'OEA. Saint-Domingue met pied sous quoi Haïti. Monsieur, mais je nous comprends ça, m'a dit là, parce que moi, je l'aime parler en genre détaillé et parfois je vois confidentiel. Si on ne pas à niveau pour comprendre moi, et soit vous et monter, ou pas, je me comprends ça, m'a dit. Et nous, ça m'a dit là, le président va le détailler demain, si Dieu veut, dans la semaine. Mais ambassadeur qui a fait sortir notre là, moi-même, moi, je ni, et ceci, moi, comprendre ni, que Saint-Domingue voulait occuper Haïti. Nous comprenons, nous retenons par les tintins, nous retenons fait suite, Mickey, et puis Saint-Domingue lui-même l'a travaillé pour l'occuper nous. Quelle est l'idée générale de ces affaires? C'est que Abinadel veut devenir le gouverneur de l'île. C'est pour ça qu'on parle tout prime ça. Fais mes cailles, moi là. Abinadel voulait devenir le gouverneur de l'île. C'est ça que fait, lui fait tout bagaille ça. L'Oualo ni respecte, voulait dire ça. Saint-Domingue qui doit occuper Haïti. Mettez Kenya avec Saint-Domingue comme observateur permanent dans l'OEA. Or, Kenya, son pays de l'État africain, de l'organisation africaine, de l'Union africaine, et puis, ils ont mettez-le comme observateur permanent dans l'organisation des États américains accompagnés de République dominicaine. Mais information. Ça veut dire, là, ce n'est pas Kenya qui a dirigé Haïti, mais c'est Saint-Domingue qui a dirigé et qui pourra diriger mission en Haïti, Saint-Domingue occupé Haïti. En nous garder pour combien de temps qu'on y a là. Prends bas. Mais information. Haïtien levé pio, vive révolution. Hein? Vive sénateur Guy Philippe pour une nouvelle Haïti.
Si vous avez aimé, tant mieux dans le cas contraire, la vie continue. Moi, t'as aimé passer tout le temps à parler avec nous, bonne information, mais malheureusement, je ne vais pas nous trop. Eh bien, je pense que vous l'avez aimé de toute façon. Dans le cas contraire, la vie doit continuer. On se verra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Bonjour. Partagez, commentez et puis gardez vidéo. Quittez commentaire pour nous dessous. Au revoir.